get a good feeling. Yeah. Bonjour à tous, goedemiddag allemaal. Ik heet jullie welkom op de bondzetel van de KBVB voor deze persconferentie waarop Mark Wilmots zijn selectie zal aankondigen met ook op de twee volgende wedstrijden van de Rode Duivels. Maar ten eerste de beloften, want onze U21 spelen binnenkort twee vriendschappelijke wedstrijden. Ces deux rencontres seront synonymes d'un nouveau départ pour, avec une nouvelle génération pour nos espoirs. Ils affronteront tout d'abord l'Espagne à Ferrol. Le mercredi 12 novembre, le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 20h30, avant de jouer le lundi 17 novembre à domicile contre la Norvège, au stade d'Oudeverleleven. C'est un match qui débutera à 20h. Concernant ce match contre la Norvège, il est toujours possible de commander des tickets via le site officiel de la Fédération belge de football, et ce jusqu'à une heure avant le coup d'envoi du match. Les tickets via notre site sont au prix de 5€. Il y aura aussi une vente le jour du match au guichet du stade, mais là, le prix sera plus élevé, les tickets seront à 8€. Donc on vous encourage, on en encourage les supporters à les acheter sur notre site internet. Voilà, maintenant je passe la parole à Johan Wallem pour qu'il annonce sa sélection des espoirs en ces deux matchs amicaux. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors la sélection pour les moins 21, Théo Bogonda, Timothy Castagne, Ibrahim Assissé, Julien Dessart, Leander Donker, Sven Doust, Ahmed El-Messaoudi, Thomas Fockett, Michael Ehlen, Guillaume Hubert, Nathan Cabassele, Yoris Kayembe, Jordan Lukaku, Bernard Mandanda, Yannis Mbombo, Charles-Union Moussonda, Benito Raman, Deli Rouf et Yuri Tillemans. Ce sont 19 joueurs pour, deux matchs, pour les deux matchs qui arrivent. Voilà, s'il y a des questions pour Johan Wallem, vous pourrez les poser à la fin de cette conférence de presse. Erdogan Desoek, EBOE et EDF Luminus, als nieuw sponsor van de KBVB, voorgesteld. De KBVB is uiteraard zeer trots op die laatste partnership. En dankzij EDF Luminus zal vanaf nu de verkiezing van de Devil of the Match voor elke wedstrijd van onze Rode Duivels georganiseerd worden. Naar aanleiding van de vriendschappelijke wedstrijd tussen België en IJsland op 12 november zal iedereen voor de eerste keer via een speciale website met name www.devilofthematch.be tijdens de wedstrijd zijn of haar Devil of the Match kunnen kiezen. En op het einde van de wedstrijd wordt die dan bekendgemaakt. Je tiens à préciser que ce concours est une exclusivité de DF Luminus avec la VRT et la RTBF. Il y aura donc un vainqueur via Sportza et un vainqueur via la RTBF pour chaque rencontre des Diables Rouges, donc tous les matchs à domicile et tous les matchs en déplacement. Et chacun de ces vainqueurs recevra un an d'électricité gratuite. Par ailleurs, EDF Luminus permettra lors de chaque match à un club francophone et à un club néerlandophone de remporter jusqu'à 2 500 € d'électricité gratuite. Voilà, pour de plus amples informations concernant ce nouveau partenariat, je cède maintenant la parole au CEO d'EDF Luminus, Grégoire Dallemagne. Merci beaucoup. Bah, écoutez, EDF Luminus est vraiment très très fier aujourd'hui de pouvoir annoncer ce partenariat avec l'Union belge des sociétés de football et les Diables Rouges. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, les Diables Rouges jouent à l'évidence un rôle de challenger. Et comme ils l'ont brillamment démontré lors de la dernière Coupe du Monde, eh bien EDF Luminus est aussi un challenger, d'ailleurs le premier challenger en Belgique dans le domaine de l'énergie, et a l'ambition de devenir l'entreprise énergétique préférée des Belges. Donc le lien est tout à fait logique pour nous. Le deuxième point, c'est que les Diables Rouges nous inspirent réellement par la qualité de leur esprit d'équipe. J'en parlais avec M. Wilmots à l'instant. Et donc, le slogan « Tous ensemble » est vraiment une source d'inspiration pour nous tous chez EDF Luminus. Et c'est un élément de notre culture d'entreprise que nous avons envie de renforcer, la qualité de l'esprit d'équipe à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, les Diables et le slogan « Tous ensemble » sont une source d'inspiration pour cela. Troisièmement, eh bien, EDF Luminus veut réellement donner de l'énergie au Diable Rouge pour qu'il se qualifie et pourquoi pas remporte la prochaine Coupe d'Europe, mais pas seulement au Diable Rouge, aussi à tous les clubs de la Fédération.
Et c'est comme ça, comme vous venez de l'indiquer, que EDF Luminus est particulièrement heureuse de sponsoriser le Devil of the Match. Et à chaque match, le Diable Rouge qui sera choisi pourra annoncer le club qui pourra bénéficier d'une année d'électricité gratuite. Donc ça, c'est un point très, très important pour faire participer réellement tous les clubs, petits ou grands, de la Belgique. Enfin, en matière d'écologie, EDF Luminus est tout de même un leader en production d'énergie verte. Nous sommes numéro 1 en hydroélectricité en Belgique, numéro 2 en matière d'énergie éolienne. Et grâce à ce partenariat, nous pourrons également accompagner l'Union belge de football à devenir encore plus écologique. Et last but not least, ce partenariat nous permettra de récompenser nos clients et partenaires fidèles, près de 2 millions de clients en Belgique, en leur offrant des opportunités de participer à ces magnifiques événements que sont les matchs de foot de nos Diables Rouges. Je passe la parole. Non, un très grand merci en tout cas pour ces explications. Je vous invite maintenant, monsieur Dallemagne, à vous lever, parce que je pense que Marc Wilmotte a une petite surprise pour vous. Marc, relevez juste Luminus, parce qu'on voit. Je te le relève. Voilà. Merci. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà, nous allons maintenant aborder le chapitre des Diables Rouges. Op woensdag 12 november speelt onze nationale ploeg een vriendschappelijke wedstrijd tegen IJsland in het Koning Boudewijn Stadion. De aftrap van deze wedstrijd is om 8:45. En op zondag 16 november spelen de Rode Duivels tegen Wales. Het is een derde EK-kwalificatiewedstrijd, is ook in het Koning Boudewijn Stadion. En de aftrap van deze wedstrijd is om 18:00. Je tiens à souligner que pour le match contre l'Islande, il est encore possible d'acheter des tickets donc via le site de la Fédération belge de football. C'est exactement la même chose, le même principe que pour les espoirs. C'est possible d'en commander donc via notre site jusqu'à 1 heure avant le coup d'envoi de ce match. Et par ailleurs, je tiens encore à préciser que le Stade Roi Baudouin sera facilement accessible via les transports en commun à l'occasion de ces deux matchs. Pour ce qui est des supporters qui souhaitent venir en voiture, on ne pourra que leur conseiller de partir assez tôt, parce qu'il y a en effet à ces deux dates de match, deux concerts au Palais 12. Donc par conséquent, le trafic pourrait s'en sentir plus compliqué. Et la fédération, par conséquent, la Fédération belge de football a décidé d'investir dans un véritable plan de mobilité. Et tous les détails à ce sujet seront bientôt disponibles via notre site internet. Nu geef ik het woord aan onze bondscoach voor de bekendmaking van zijn selectie. Voilà, merci beaucoup Pierre. Bonjour tout le monde. D'abord, j'ai sélectionné 22 joueurs et 3 gardiens, ce qui est le plus intéressant pour le dernier match de l'année, les deux derniers matchs de l'année. Donc les joueurs sont Toby Alderweireld, Christian Benteke, Nasser Chadli, Laurent Simon, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Moussa Dembélé, Jason Denayer, Marwan Fellaini, Carrasco Yannick, Jean-François Gillet, si je vais trop vite, vous le dis, Eden Hazard, Adnan Januzaj, Vincent Kompany, Nicolas Lombards, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Simon Mignolet, Raja Nangolan, Divock Origi, Sébastien Pocognoli, Dennis Pratt, Anthony Van den Boer, Jan Vertonghen et Axel Witsel. 22 joueurs, 3 gardiens. Voilà les joueurs qui viendront faire les deux matchs où il y aura évidemment Christian Benteke qui commencera le match contre l'Islande, ainsi que Moussa Dembélé. Ce sont des joueurs, je suis déjà très content que Christian revienne parmi nous après 6 mois. Je crois que ça a été une traversée assez longue, surtout sur le plan humain et sur le plan de la qualité. Si vous avez suivi le match contre Tottenham, je crois qu'il est déjà revenu à un excellent niveau. Et je suis très content de le revoir déjà, ainsi que tout le groupe évidemment. Et Moussa est le joueur qui a le moins de temps de jeu sur ce dernier mois. C'est pour ça que je veux le faire jouer. C'est un joueur qu'on connaît
qui a la qualité que personne ne doute. Donc ça fait du bien de temps en temps de reprendre de la confiance et des matchs en équipe nationale. Voilà, et comme bon, il y a eu, avant que j'anticipe les questions, on a fait un petit changement. Vous avez parlé de Liv Maskal, de deux dossiers. Bon, puisque je ne vais pas répondre chaque fois qu'il y a des articles qui sortent, je ne vais pas répondre au jour le jour, je préfère le faire en conférence de presse avant que vous me posiez la question. Liv et moi, on s'est vu le 24 octobre. On a décidé d'arrêter notre collaboration. On a eu une discussion entre quatre yeux. Il y a Ludo m'a appelé pour savoir. J'ai dit, voilà, on a conclu entre nous qu'on ne ferait pas de commentaires, ni lui ni moi. Donc, c'est comme dans un divorce. Vous, quand vous divorcez, je ne pense pas que vous l'expliquez à tout le monde. Donc, à partir de là, je crois qu'il y a un accord qui a été pris entre deux personnes adultes qui ont apprécié de travailler ensemble et qui ont mis une fin à une collaboration. Mais les joueurs continueront à les faire soigner là-bas. Et je continuerai, moi, à les envoyer là-bas s'ils en ont besoin. Voilà. Mais c'est une décision que j'ai prise au niveau, pas moi personnellement, mais moi, je dois assumer en tant que patron. Je vais dire que j'ai beaucoup écouté, beaucoup sondé, et je crois que c'était la meilleure décision pour le collectif. Vous savez que chez moi, le collectif est plus important que l'individu. Voilà pourquoi j'ai pris cette décision de réorganiser un staff médical en gardant les bases, parce que la personne peut-être la plus importante pour moi dans toute ma carrière, ça n'a pas été, comme beaucoup l'ont dit, Liv Maskal, ça a été Geert De Klerk, qui reste, lui, à la tête de notre service, avec Chris Van Kombrugge, qui sera accompagné de 3 kinés et 3 masseurs. 8 personnes composeront ce staff médical. Voilà, ça c'est pour le dossier médical. Et la deuxième petite polémique, c'était la biographie de Kevin, où quelques personnes ont dit que j'ai posé la question. Donc, de nouveau, Ludo, un bon journaliste, m'a dit, est-ce que c'est vrai que tu as posé la question ? Est-ce que tu as posé la question, est-ce que Courtois doit partir ou pas, Thibault ? La question, je l'ai posée, mais il ne faut pas sortir tout du contexte. C'était 4 jours avant un match en Serbie et l'Écosse, où tu dois sentir le niveau émotionnel d'une personne. Et c'est la bonne question à poser pour ressentir. Vital était présent d'ailleurs. Et où le joueur nous a répondu, non, je veux qu'il reste. En ayant répondu à cette question, c'était clair qu'il ne fallait plus rien faire. S'il m'avait dit autre chose, j'aurais peut-être à ce moment-là fait d'autres choses ou d'autres choix, si vous me comprenez bien. Mais c'était une question pour sentir le niveau émotionnel d'un joueur par rapport à un autre, pour que Vital et moi puissent prendre les meilleures décisions, puisqu'il était un des grands artisans de cette discussion, et ça s'est très bien passé. Je vois comment ça s'est résolu, mais de manière formidable. Voilà, c'était deux mises au point que je voulais faire, et maintenant, je suis à votre disposition pour les questions. Ja, we beginnen nu met de vragen van de tv en de radiozenders, en daarna hebben de andere media tijd om een vraag te stellen. Merci. Mark Wilmots. Christian Benteke is er opnieuw bij en mag meteen aan de aftrap verschijnen. Waarom? Hij is nu 4-5 weken bezig. Ik heb de twee laatste wedstrijden tegen Queen's Park Rangers. Waar zijn balgevoel was niet zo goed. Het is normaal, een lange periode. Dan heb ik hem direct gebeld. Christian, blijf rustig, jongen. Dat zal komen. Het is een lange weg voor u. Maar je zal meekomen bij mij in 15 dagen. En je gaat beginnen de wedstrijd. Het is een vriendschappelijke wedstrijd. Hij is nu volledig conditioneel in orde. 6 weken meegetraind, meegespeeld. En direct de wedstrijd tegen Tottenham. Hij was voor mij een top. Hij heeft 2 kofbal, een keer met links tegen de paal getrapt. Dat was de Christian van vroeger. Mm-hmm. En hij is op de goede weg. En het is natuurlijk een vriendschappelijke wedstrijd waar ik veel andere spelers geprobeerd. Je moet ook niet vergeten dat IJsland 28 op de wereldranglijst. 9 op 9 hebben ze gewonnen tegen Holland. En, maar ze hebben ook 4 dagen later een belangrijke kwalificatiewedstrijd in Tsjechië. Dat wil zeggen, het is een goed moment om een beetje speeltijd te geven. November is ook een maand waar ze hebben nu de laatste 3 maanden verschrikkelijk veel gespeeld. En dat is waarom ik ga, misschien, het is niet de enige 2 die gaan beginnen de aftrap, dat zal ook meer. Mm-hmm. Benteke was vroeger bijna de uitgesproken nummer 1 van u, zal ik zeggen. Waar komt hij nu in de rangorde van de spitsen? Je hebt er nu Origi bij, je hebt er Lukaku nu bij. Hoe zit dat met de rangorde? Je zal toch niet verwachten van mij dat ik nu, donderdag nu, ga vragen wie is eerst 2-3. Ik heb geen 1-2-3. Ik ben blij dat ik heb 3 goede spitsen. En wie gaat spelen, het is een kwestie van een tegenstrever. Het is een kwestie van zijn vormenmomenten, wat ik zie op training en alles. Maar op dit moment is het nog een beetje vroeg, maar we zijn natuurlijk
Men zeker de kopbalspel van Christian Benteke, die echt top is. En ook zijn kwaliteit. Hij heeft de laatste twee jaar enorm veel gemaakt voor ons. Maar dat heeft Divo gemaakt, dat heeft Romelu ook, tegen Kroatië en tegen Amerika. Ja, iedereen heeft zijn kleine stenen gegeven aan de nationale ploeg. Steven De Voer was een basisspeler in de voorbije twee interlands. Die is er nu niet bij. Hoe erg vindt u dat? Geluk, in het middenveld heb ik toch veel keuze. Als we bekijken, ik heb bijna dubbeld. Witzel, Fellaini, Raja, Dembélé, De Bruyne, Chatli, Praten. Kan in de driehoeks in het middenveld spelen. Daar heb ik meer luxusprobleem. Het is natuurlijk jammer voor hem. Met zijn kwetsuur. Ik weet niet hoe lang dat zal duren. Voor Anderlecht is ook natuurlijk zwaar. Maar oké, okay. Kijk, maar ik heb hier Vermaelen, De Voer, Miralas. Die gekwetst zijn. Moet ook niet vergeten. Er zijn ook drie spelers die zijn altijd bij normaal als iedereen fit is. Maar ja, het kwaliteit groeien. De kader wordt stilstand iets groter. Procognoli is ook teruggekomen. Je hebt gezien Van den Boer die ook teruggekomen. Dat zijn altijd, denk ik, positieve punten voor de nationale ploeg. Is een speler als Youri Tielemans, die toch vrij complementair is met De Voer, is het nog te vroeg om hem bij de grote jongens te nemen? Hij zit wel bij de U21, maar is het nog te vroeg om hem bij de echte Rode Duivels te nemen? Ik heb Thorgan Hazard, Youri Tielemans en Thomas Meunier hebben we serieus gevolgd. Er zijn spelers die opmerking komen. Op een bepaald moment moeten we een keuze maken. En als we bekijken hoe Marwan Fellaini nu bij Manchester spelen, Axel Witsel, Raja, oké. Het is toch moet een beetje geduld, maar dat zijn spelers die we volgen. Natuurlijk moet ook Johan bedanken. Dat zijn vandaag twee Praat, Carrasco, die de stap van de belofte naar de eerste ploeg. Is toch mooi. Dat is ook de bedoeling zo, om probeer zoveel spelers als mogelijk te krijgen. Wij moeten ook niet vergeten, ik heb nog in ook en Vital ook, die Malanda in Wolfsburg is, die moeilijke keuze heeft gemaakt, maar hij komt misschien door. Wij hopen dat hij uitkomt. Michy Batshuayi, Lestienne, Thorgan, ze zijn weg, maar we wachten en we volgen iedereen. Op bepaalde momenten denken we de beste keuze voor ons. Dennis Praat, kan u daar nog iets over zeggen? De laatste twee maanden, ik zie Dennis achter de spits een betere positie. Hij heeft een paar keer gespeeld links en rechts. Maar als achter een spits, heeft hij voor mij de twee wedstrijden tegen Arsenal mij enorm verrast. Kwestie van balzekerheid, vechten, kracht, recuperatie, loopvermogen. Hij heeft een goede stap vooruitgebracht, de jongen. Dat is om zijn verdienste nu dat hij komt bij ons. Ten slotte, een ex-Rode Duivel heeft vandaag nog een prijs gekregen. Daniel van Buiten krijgt de trofee van sportverdiensten. Een reactie van u daarop? Ik heb een sms gestuurd, tout simplement bravo. Voilà. Meer moet ik niet zeggen. Hij is verdiend voor zijn hele carrière. Het is de mooiste prijs wat kan een sportman krijgen. Ik heb dat ook vroeger gekregen. Ja, dat enorm. Enorm veel respect voor hem, dat weet je, en ik vind dat ook verdien. En helemaal afrondend, als u dan het verhaal van Lieve Maatschappelijk misschien nog even in het Nederlands kan herhalen. Ja, ik denk, we hebben 24 oktober een discussie gehad, tussen vier ook. En we hebben gesloten dat we geven geen enkele commentaar. Als we iemand doet een scheiding, dat moet niet overal komen. We hebben veel respect voor elkaar, we hebben goede samenwerking gemaakt, maar we hebben besloten dat hij en ik niet spreken van deze zaken. Het is punt aan de lijn, de nationale ploeg gaat vooruit. Ik dank u voor die tijd. Okay. Alsjeblieft. Bonjour Marc. Un petit mot sur Praat. C'est aussi un signal que vous envoyez peut-être sur joueur qui évolue dans le championnat de Belgique. Il évolue à un gros niveau, mais c'est aussi un joueur qui vient du championnat de Belgique. Tu sais, ce qui m'a fait, chaque fois on déforme. À propos, on est au quatrième mondial, on est arrivé en quart de finale, donc la barre est très haute. Vous-même, les journalistes disent que le niveau belge n'est pas comparable à celui d'Angleterre, d'Allemagne, mais c'est pas pour ça qu'on dénigre le football belge. On est content, j'étais très content que la mentalité qu'Anderlecht qui est revenu de 3-0 à 3-3, voilà, ce caractère, on a des bons joueurs en Belgique, ça va pas aussi vite qu'ailleurs, parce que tous les joueurs qui partent le disent. Mais il faut quand même reconnaître que Denis a énormément évolué depuis les 2-3 derniers mois, a franchi un palier, grâce peut-être à Asie. Quand je vois le volume de travail qu'il fait actuellement, sa qualité technique, il a pris confiance derrière un attaquant, je trouve que c'est une bonne position. Évidemment, il tombe contre De Bruyne, Chadli, ou peut-être encore un deuxième attaquant. Ce n'est pas évident, la concurrence est énorme, mais c'est aussi sur ces deux derniers mois où il a presté à un excellent niveau, et pas seulement au niveau belge, au niveau aussi de la Champions League, donc qui est quand même un des plus hauts niveaux. Donc là, il nous a montré qu'il y avait du potentiel, il y avait de la qualité. Benteke,
Là aussi, c'est, vous avez toujours dit, l'équipe nationale, elle est là pour aussi encadrer les joueurs qui reviennent de blessures. Il y a l'aspect, je dirais, footballistique, il y a aussi l'aspect humain dans son retour, j'imagine. Il y a les deux. Il y a les deux. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Tu peux dire à Christian, tu seras à réserve. Il n'y a pas de problème. Il vient pour son pays. Il a beaucoup d'envie pour venir. Il y a une bande de copains qui l'attendent. Ça, c'est le groupe Diable Rouge. Et je crois qu'il est très heureux. Et tous les joueurs, après, ça peut arriver une blessure. Quand on a appris sa blessure, juste avant la Coupe du Monde, on était tous, pour lui-même, très, très déçus. Maintenant, c'est passé. J'ai dit, regarde devant, on va t'aider. Ça va aller, tu vas revenir. Il revient, il rejoue. Et là, déjà, contre Tottenham, j'ai vu un très bon Christian pour moi, donc dans sa qualité. Par rapport à la problématique De Bruyne-Courtois, on peut savoir ce que vous auriez dit à Kevin De Bruyne s'il vous avait dit oui, mais Courtois dehors de l'équipe. Mais la question ne se pose pas. Mais je crois que je devais sentir au point de vue émotionnel. Et là, je dois dire que le joueur, dans un moment pareil, a été très bien. Il a commis une petite erreur, c'est ça. Je n'aime pas les biographies et tout ce qui s'ensuit. Ce sont des discussions privées. Mais jamais... S'il m'avait dit, écoute, il faut qu'il parte, ben, j'aurais en vue, j'en aurais parlé avec Vital, on aurait parlé avec le staff, on aurait gardé la meilleure solution. C'était quoi? C'était les deux matchs importants qui allaient venir. Ça, c'était le plus important. Et on doit toujours juger la manière émotionnelle qu'un joueur vient. Il y a un papa qui est malade, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Donc on est souvent au courant de ce qui se passe et ça, ça peut avoir un rapport sur les décisions qu'on va prendre. Vous auriez été capable de vous priver de votre meilleur gardien pour ces deux matchs? Écoute, la décision, je n'aurais pas mis Thibaut dehors. C'est clair. On en aurait discuté ensemble. Là, on aurait approfondi la discussion. On aurait été plus loin si on voyait que c'était encore si sensible. Mais ce n'était pas sensible. Il savait exactement. Et lui nous a dit, c'est bon, ça va. Il reste. OK, fini, Théma. Et quand vous voyez les matchs qu'ils ont fait en Serbie, tous les deux, je crois que ça a été très bien réglé. Maintenant, on aime bien faire une grande affaire où il n'y a pas eu d'affaire. Donc, je tiens à remettre les choses claires, précises, pas détourner l'information, dire l'information juste, comment ça s'est passé. Merci. Donc, il n'y a plus de questions, je pense, de la part des TV et des radios. Donc, notre live streaming touche maintenant à sa fin. Nous remercions en tout cas toutes les personnes qui nous ont suivis et nous vous disons à bientôt. Onze live streaming ziet erop. We bedanken al onze kijkers. Tot binnenkort.